Bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va être assez marrante, je vais faire une vidéo, je vais faire la voix de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est déjà qu'à côté de moi. Bonsoir Gérard. Eh ben bonsoir Franck, ça va, hein? Tu vas bien toi? Ben oui, je vais très bien Gérard, pourquoi tu t'énerves? Ben je m'énerve pas, je sais que tu fais à manger en ce moment, tu fais du lapin. Oui, c'est vrai. Tu aimes bien manger ou pas? Parce que les gens qui mangent pas, ils chient pas. Oui, je sais. Bon, Gérard, on est là pour parler de ton film, ok? On va regarder, je vais t'imiter ta voix. Ah, tu m'imites en plus. Ah, bah, c'est génial, hein. Bon, allez, c'est parti. Bon, excusez-le. En tout cas, je vous remercie pour les 410 abonnés. Merci à vous, vous êtes super sympas. Allez, c'est parti. En même temps, je ferai la voix de Michel Blanc, qui n'est pas facile à faire aussi, un personnage très difficile au cinéma, mais que j'aime beaucoup. C'est comme l'a fait les bronzés, qui font du ski, patati patata, vous connaissez un peu le classique. Je vous souhaite une bonne écoute, regardez. C'est parti pour Gérard Depardieu. Allez, on est parti. Ok, on est parti. Eh ben alors, hein, tiens, tu veux 100 briques, tiens, je te les donne les 100 briques, enfin, quoi? Alors, t'as vu comment tu parles? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que t'as? Tu sais à qui tu viens de parler, là? C'est ma femme que tu viens de parler, ok? C'est ma femme, et je l'aime, ma femme. Tu vois ça? Je vais te planter. T'as compris? Alors, bah pourquoi tu veux me planter, hein? Alors vas-y, te gêne pas, vas-y, vise bien en bas, hein, surtout, hein, et te gêne pas, hein, regarde. Voilà, le bateau il va couler comme ça, tu me donnes un bon coup et le bateau il coule, ok? Alors, t'as déjà été en prison toi? Hein? Dis-moi, allez, il a jamais servi ton couteau, tu ne seras à rien. Alors calme-toi, enfin. Toi aussi tu veux sans plaque, sans briques, regarde là, j'ai mis une baffe, regarde, elle s'est calmée, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein? C'est pas heureuse là, toi, hein? Enfin, quoi? Oui, merci. Eh ben alors? Mais c'est pas une raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Ils aiment bien comme ça. Regarde, elle s'est calmée. J'ai mis une baffe. Regarde comment elle est bien. Elle est heureuse. Sans briques. Ça te va? Tu veux aussi sans briques? Pas de problème. Je vais t'en donner, moi, du sans briques. T'inquiète pas. On n'est pas bien là, franchement. Hein? Mais quoi? T'en veux aussi? Tiens, regarde, j'ai plein de pognon. Ah, je vais t'en donner du pognon, moi. Et ça valse. Et t'as vu? Regarde, ça dandine plus, là. Tu mets une baffe terminée. Tiens, je te donne 100 briques aussi à toi. Tiens, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Prends. Oh, enfin, quoi? Hein? Oh, bah, toi aussi, tu vas te mettre à pleurer, mettre un chialer. Allez, t'en veux sans d'autres? Allez, tiens, je te redonne 100 d'autres briques. Regarde comment elle va être heureuse. Tiens, regarde, prends. Tu vois comment elle est heureuse? Enfin, quoi? Hein? C'est pas beau, ça? Regarde, elle chiale, presque à chialer. Alors, quoi? C'est pas normal? Sans briques. Et c'est où, ce pognon? Où tu l'as pris, ce pognon? Ah! Le pognon, il vient où il passe? Où t'as du pognon, t'en donne. C'est tout, c'est comme ça, ok? Voilà. Et arrête de chialer aussi, parce que tu vois, je vais te dire une chose, moi. Voilà, c'était une petite extrait de Gérard Depardieu. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je sais que Gérard Depardieu est un grand, grand comédien. Et franchement, ce tome-là, il fait beaucoup de films. Je voulais vous faire ce petit cadeau ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci en tout cas pour vos abonnements, ça me touche énormément. Surtout vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et vous savez que pour moi, c'est très important. C'est très important. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite extrait de vidéo. Gérard, est-ce que tu es content d'être venu ce soir? Mais je suis content, Franck. Hein? Et toi, t'es pas heureux? Ben oui, je suis heureux, Gérard, pas de problème. Et pourquoi? Tu veux 100 briques aussi? Ah, moi, je voudrais bien. Comme ça va payer ma voiture, justement, tu vois. Parce que ma voiture, elle est toujours pas payée. Hein? Eh ben alors, c'est normal, tu fais des crédits. Les crédits, c'est pas bon, ok? Ok, tu comprends ça? Tiens, je te donne 100 briques, tu pourras t'acheter des voitures. Hein? Enfin, quoi? Regarde mes films. Oui, dis donc, Gérard, je peux te poser une question? T'aimes bien manger? Comment ça, j'aime bien manger? Mais bien sûr, j'aime bien manger. T'aimes pas la bonne viande, hein, qui gouline comme ça, avec plein de graisse, hein, avec du bon pinard derrière? Une bonne pillette, mon gars. Ouais, oui, quand même, mais moi, l'alcool, ça fait deux, hein. Oui, et alors, tu seras bourré après, tu iras faire dodo. Oui, bon, bah, c'est pas une raison pour picoler comme un trou aussi, hein, Gérard, hein. Hey, le cholestérol, le diabète et tout, hein. Et après, tu vas pas mourir. Ouais, je sais. Hein. Même si t'as pas de feu, tu mets ça sur un pot d'échappement, ça fait cuire ta côte de bœuf. Et c'est très bon pour la santé. Ouais, Gérard,
pas exagéré quand même. Gérard, il est complètement... Eh Gérard, t'as vraiment perdu la boule, hein? Comment ça, j'ai perdu la boule? Non, je donne des coups de boule, moi. Hein? Ne pas, hein? Bon. Ah non, mais me frappe pas, moi, je t'ai rien fait, hein. Je sais, je t'aime bien, Franck. Et puis, abonnez-vous à Franck Albert. Il est super sympa. Oui, on le sait, Gérard. Bon, c'est bon, on va pas le dire. Johnny, déjà, il me l'a dit la dernière fois. Toi, tu me le dis encore aujourd'hui. Bah, dis donc, ça fait quand même beaucoup, hein. Franchement. Ben et alors, Isaac a s'abonné à toi, il t'aime bien tes abonnés. Oui, je sais, Gérard, je sais. Hé, hey, calme-toi. Oh là là. Moi, quand je bois un petit coup d'alcool, ça y est, je suis cassé, je suis bourré. Ah ouais, mais il faut pas leur donner des idées comme ça aux jeunes, hein. Ouais, mais t'es marrant, toi. Alors, tu leur donnes des idées comme ça, et ils vont se mettre à picoler. Oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein. Regarde. C'est pas beau la vie, hein, regarde. Moi je fais du cinéma, le cinéma me nourrit. Je suis bien, je suis gros, et après. Oui, je sais, Gérard. Mais gros et gros, quoi. Mais je te respecte, hein. Même une fois que l'hôtesse, elle a pas voulu me laisser pisser, eh ben j'ai pissé dans une bouteille, ça a même débordé. Hein, t'as vu un peu, hein, hein. Oui, bon, Gérard, écoute. Je vais te laisser parce que là, le live était. Enfin, la vidéo est terminée. Je t'aime bien beaucoup, Gérard Depardieu. Je vous aime beaucoup. Enfin, je peux vous voir tutoyer. Oh, tu peux me tutoyer, hein, n'est-ce pas, hein. On est bien tous les deux. Tu sais, n'aie pas peur, hein. Oui, j'ai pas peur de vous, mais bon. Bon, écoutez, Gérard, moi je vous aime beaucoup. Vous êtes un très très bon acteur. Vous habitez en Russie, je crois, maintenant. Eh oui, parce que la France, ça me demande trop d'impôts, hein. C'est pour ça, hein, que je suis parti, hein. Hein? Oui, je sais, t'es parti, vous êtes parti là-bas. Bon, écoutez, je vous laisse en compagnie de mon intro. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, petite surprise de Gérard Depardieu. Allez, c'est parti, je vous souhaite bonne soirée. Tu veux dire quelque chose à mes abonnés avant de partir, Gérard? Eh ben, je vous aime, moi, parce que vous êtes des bons youtubeurs. Et n'hésitez pas à vous abonner à Franck Albert, hein, parce que Franck Albert, c'est un bon personnage. Il est gentil, il est adorable, il est généreux. Oui, bon, c'est bon, Gérard, c'est bon. Eh ben, il est content, hein, comme j'ai remarqué, il est content. Il est content. Ben oui, c'est ça, eh oui, il est content. Bon, eh ben oui, je suis content. Et après, les gens t'aiment bien, et c'est continue comme ça. Et un jour, tu seras un grand, grand youtubeur, et j'espère que tu vas gagner beaucoup d'abonnés. Ça, c'est une autre histoire. Je suis pas très jeune, hein. Mais alors, t'as des gens youtubeurs qui ont 60 ans, qui sont célèbres, regarde. Moi, je passe sur la télé, je passe sur YouTube, passe pour partout. Oui, mais bon, vous êtes un acteur. Vous êtes connu, vous, pas moi. Et alors, un jour tu seras connu, tu seras comme moi, tu seras une grande star. Oh, tu parles, grande star. Non, non, je fais bien rester à ma place. Je suis tranquille, je fais mes petits trucs tranquilles chez moi, ma famille, ma femme, mes enfants. Elle est gentille, ta femme, hein, hein. Oui, elle est gentille. Hé, on se calme, hein, parle pas de ma femme, ok. Allez, salut Gérard. Bon, bah, bonne nuit à tout le monde, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, petite surprise, c'était vraiment sympa. C'est qui va encore me parler là? Ah, attendez, il y a Sarkozy qui veut me parler. Oh non, Sarko, j'ai pas le temps, il faut que j'arrête là. Eh ben quoi? Ah ben il y a encore Sarkozy qui est là, qui veut te parler. Moi je l'aime pas lui. Oui, bon, je sais, Gérard. Ben écoutez, moi je vais vous dire une chose. Franck Albert, t'es vraiment sympa, hein. T'es vraiment sympa avec tes abonnés, hein. Moi je te le dis, hein. Parce que tu leur fais de la pub, et en plus, eux, ils te mettent des commentaires. T'es content, t'es heureux. Oui, mais moi, je gagne pas votre salaire, monsieur Sarkozy. Mais il a raison, parce que vous êtes de la merde. Vous faites n'importe quoi dans la politique française. Il faut arrêter avec ça. Oui, mais, Gérard, bah écoutez, je vais peut-être de la merde, mais pour le moment, je gagne bien ma vie, hein. Oui, ben, on le sait, hein. Bon, vous allez arrêter tous les deux, là. Ils n'arrêtent pas de se disputer. Oh, c'est incroyable. Gérard, il s'est jamais entendu avec les politiques. Et même avec Hollande. Pourtant, je le connaissais bien, celui-là. Oui, ben, je sais. Oui, bah, on le sait que tu connais. Bon, allez, je vous laisse tous les deux. Débrouillez-vous. Bon, je vous souhaite une bonne soirée avec la compagnie de mon intro. Je vous dis à très bientôt. Bye.